On peut aller EDH. EDH, c'est vrai, pendant l'émission, on débat de questions d'énergie, mais là, c'est vraiment une nouvelle ça qui vient de nous, qui sortit bon côté électricité d'Haïti. Électricité d'Haïti, eh bien, il y a un monde qui n'est pas arrivé à identifier, c'est lourdement armé, qui l'ouvre coup d'âme sur bâtiment électricité d'Haïti, dans la nuit 10 pour l'ouvrir 11 mai, qui se passait là. Une situation qui était si mais panique dans la zone là et qui occasionnait des dégâts significatifs. Et là, nous voyons l'image, impact balio sous bâtiment qui logeait électricité d'Haïti, qui établit dans boulevard Harry Truman et rue Chariot, c'est dans Angle Chariot et boulevard Harry Truman. Et des gens qui pas arrivé à identifier, qui s'y met, qui larguent coup d'âme sous électricité d'Haïti, local EDH là, siège social EDH, dans la nuit 10 pour l'ouvrir 11 mai. Et là, on attend l'autorité, la police, la justice, pour diligenter enquête et pour dire exactement qui côté et ben, ça sorti, et motivation et mon qui fait lieu. Et ça me dit, c'est affaire nous toutes, c'est pour nous toutes, les questions d'énergie, et sont là qui sont tout plus importants. Et nous, qui importance, chef de l'État, bah, à question ça, et disposition qui commence à prendre pour réparer ensemble de centrales de pays, hein, qui pourraient faciliter 24 sur 24 la tournée en réalité. Jean-Président souligné dans diverses interventions qu'il fait. Alors là, il est bon à ce que. Et information qui baille sous origine baille ça, motivation ça, yo, et pour ça, et après, pour que gagne des mesures qui prennent pour mettre la patte sur le monde qui t'a derrière sacrifié. C'est dans la nuit 10 pour l'ouvrir 11, local qui abritait EDH, qui angle rue Chariot et boulevard Harry Truman, qui recevait un pile coup d'âme, et nous sommes dans l'image. On sait que l'image toujours là. Et nous avons un impact balle et qui est assez significatif dans le bâtiment et qui logeait EDH, Électricité d'Haïti. Ça passait dans la nuit 10 pour l'ouvrir 11 mai 2018. Là. Je souligne le lien. Cette semaine, Capini, là, la police, la justice, sont capables d'informer la population hein, sur ça ou joindre, sur le qui derrière ça, et puis pour que vous mettez, côté où vous mettez, c'est là qui est à l'origine de ce qui passé à ZAM. Il faut que nous soulignions la situation. Ça a été créé panique dans la zone pendant et ça a produit dans la nuit 10 pour l'ouvrir 11 mai dans Angle rue Chariot et boulevard Harry Truman et Pac Balio. La regardé là qui est quand même très significatif après et Kouzam, individu nous pas identifié, a été l'ouvrir sous local électricité light. Et c'est sur notre ça, on a pu refermer l'émission ça pour ce maintenant. Merci tout le monde qui est avec nous. Vraiment, de faire vivre dans pile commune, dans pile département. Nous sommes dans le nord, nous sommes dans l'est, nous sommes dans le sud, nous sommes dans le Grand-Est, nous sommes dans l'ouest, nous sommes dans le centre. Nous faisons NIP et vraiment, et en pile d'informations par rapport à ça qui a passé, par rapport à la réalité commune, par rapport à la réalité quelques départements. La semaine prochaine, nous promettons tout, nous allons continuer à regarder. Et là, on avance vers. 1er juin, pas trop loin arrivé dans la saison cyclone. Là, il y a un travail, un curage qui a fait sur un peu de pour mettre tout, semaine prochaine, pour que nous portions des informations qui liées à travail ça y est, l'équipe nous pourra regarder, qui gens ça y est, et puis nous pourra continuer tout, le ouais, travail qui commence, est-ce qu'il y a un peu bien ce qu'il y a avancé. Tout ça, c'est sous TNH, on va pouvoir nous. Mais pas rater la prochaine émission, puisque samedi prochain, on va nous et on va continuer à informer. Bonsoir tout le monde.